Mes frères bien-aimés, alors que nous célébrons aujourd'hui la fête du corps et du sang du Seigneur, offert en communion à tous ceux qui désirent s'unir à lui, alors que nous célébrons le miracle des miracles, car rien n'est plus prodigieux que la présence de Dieu dans la Sainte Hostie, alors que nous célébrons aussi la première communion de vos fils et de vos filles, et c'est là sans nul doute l'un des plus grands événements de leur enfance, nous devons malheureusement constater que ce mystère, pourtant si grand qu'est l'Eucharistie, le monde l'ignore. Même parmi les baptisés, on en compte des milliers, pour ne pas dire des millions, qui ont perdu pied avec la grandeur et la beauté de ce don qui nous est fait, se contentant désormais, comme les musulmans, comme les juifs et bien d'autres hommes qui croient en Dieu, de lever la tête en direction du ciel pour y chercher la présence divine. Mes frères, pendant des siècles, pas un chrétien n'aurait osé manquer la messe du dimanche, non pas parce que c'était un devoir ou une obligation, mais parce que nos aînés dans la foi, et je suis sûr de moi en vous disant cela, avaient une connaissance approfondie de ce qu'était l'Eucharistie. En vérité, on ne néglige que ce que l'on ignore, c'est bien connu. Et c'est pourquoi sans cesse, en prédication, mais aussi sous le mode de la confidence, il faut que le prêtre rappelle la largeur, la hauteur, la profondeur, que dis-je, l'ampleur de la très sainte Eucharistie. Et c'est ce que je vais faire avec vous ce matin, en remontant très loin dans le temps, de manière à rafraîchir vos mémoires et à toucher profondément vos esprits, du moins je l'espère, pour que peut-être, à partir d'aujourd'hui, si ce n'est déjà fait, tous les dimanches, vous soyez là présents dans cette église ou dans une autre église de la terre, qu'importe, pour vivre ce grand rendez-vous unique et sacré. Aujourd'hui, mes frères, si vous me le permettez, je ne vais pas m'adresser directement à vos enfants, tout simplement parce que le Christ lui-même, en pénétrant tout à l'heure dans leur âme et dans leur corps, agira bien plus fortement que ne pourraient le faire mes pauvres paroles. Non, aujourd'hui, je m'adresse à vous, parents, qui peut-être ne venez jamais à la messe, ou du moins rarement, pour la simple raison que vous n'en voyez pas l'importance. Et qu'au fond, reconnaissez-le, vous n'êtes plus très au clair avec cette réalité. Et en vous disant cela, bien évidemment, croyez que je ne vous juge pas. Je comprends tout à fait que dans le conditionnement actuel offert par la société, où la foi n'a pratiquement plus son mot à dire, on s'éloigne de plus en plus de la connaissance des mystères chrétiens. Mon désir est donc ce matin d'éclairer vos intelligences et vos cœurs en vous rappelant la sublimité de l'Eucharistie. Je m'adresse aussi bien évidemment à tous ceux qui chaque dimanche viennent à la Sainte Messe, et même en semaine, mais qui courent le risque de banaliser la présence du Christ dans la Sainte Eucharistie et de communier par habitude, sans élan, sans que le cœur ne soit au rendez-vous, comme on peut embrasser du bout des lèvres sans grand désir sa femme ou son mari après 20 ans de mariage, ce que je n'espère pas, car nous le savons bien, quand il n'y a plus le feu sacré, paradoxalement la vie devient un enfer. Et oui, il n'y a pas le feu et pourtant c'est un enfer. Que voulez-vous, mes frères, dans la vie, qu'il s'agisse des réalités les plus importantes, telles que la construction d'un amour ou d'une famille, ou encore la mise en place d'une ambition légitime, s'il n'y a pas de passion, s'il n'y a pas d'élan, si on ne sait plus pourquoi on se bat, eh bien, c'est cuit d'avance. Le bonheur est à ceux qui ont toujours un enthousiasme à se mettre sous la dent, ou plus exactement dans le cœur. Pour en revenir à la désaffection dont souffre la messe, il y a plusieurs raisons qui peuvent l'expliquer. Comme je viens de le dire, l'ignorance assez généralisée de ce grand mystère, c'est vrai, ça joue énormément, mais aussi la vie trépidante qui laisse au seul dimanche la possibilité d'astiquer sa maison, de faire du sport ou tout ce que vous voudrez. Et enfin, il faut bien le reconnaître, la platitude et le manque de beauté de nombreuses liturgies qui ne suscitent que peu d'intérêt. Cependant, quand on constate que pour aller voir 100 bougies qui brûlent sur le Vieux-Port, dans le cadre de Marseille 2013, capitale de la culture, 150 000 personnes font le déplacement, qu'une foule innombrable remplit les stades pour assister, que dis-je, pour participer et vibrer à la liturgie du football, ou encore que pour écouter le dernier groupe de rock à la mode, on réserve les places 6 mois à l'avance, on peut ressentir un peu de peine, vous en conviendrez,
pour ne pas dire de la douleur, en voyant le Christ seul, ou presque, abandonné à lui-même le dimanche matin, en de nombreuses églises. Lui qui pourtant nous a donné la vie et qui n'a qu'un seul désir, nous soutenir de toute sa puissance et de tout son amour pour que nous soyons heureux ici-bas. Mais vous allez peut-être me répondre qu'un beau spectacle, qu'il soit sportif ou artistique, soulève le cœur et que c'est donc un véritable plaisir que d'y participer, tandis que la messe, ce n'est pas très attirant. En vérité, je vous le dis, mes frères, il n'y a rien, ou plus précisément, il n'y a personne de plus attirant que le Christ, qui est la beauté substantielle, l'amour le plus absolu qui soit, la lumière la plus dense que le monde puisse connaître, voir et entendre. Et qui parmi nous, allez dites-le-moi, qui parmi nous n'est pas attiré normalement par la beauté, par l'amour et par la lumière ? Mes frères, nous sommes faits pour la beauté, nous sommes faits pour l'amour, nous sommes faits pour la lumière. C'est dire que nous sommes faits pour le Christ Jésus. Et combien il serait dommage qu'au dernier jour de notre vie, nous nous disions intérieurement « mince, si j'avais su !» Et ce qui serait encore plus désolant, ce serait que l'un ou l'autre d'entre nous se dise à lui-même, en ce même dernier jour, à la dernière heure de sa vie, « mince !» Mais si on me l'avait dit, face à cette éventualité, je crois ce matin, mes frères, de mon devoir, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de remonter très haut dans le temps, jusqu'à Moïse. Eh oui, il faut remonter jusque-là pour essayer de retrouver les fondements de l'Eucharistie, de manière à ce qu'elle devienne pour chacun de nous une réalité enfin connue et vivante. Alors vous êtes prêts, mes frères, allons-y. Remontons le temps. Vous savez que les Juifs ont été déportés en Égypte et que dans ce pays, pendant des siècles, durant 430 ans, si l'on en croit le livre de l'Exode, ils ont constitué une main-d'œuvre appréciable pour Pharaon. Et en même temps, en tant que peuple, ils se sont développés jusqu'à devenir un véritable danger pour le pouvoir en place. Et c'est pourquoi, vous vous en souvenez, Pharaon donna l'ordre aux sages-femmes de supprimer à la naissance tous les enfants mâles des Hébreux. Cependant, comme vous le savez, il y aura un petit Hébreu qui échappera au carnage, et c'est le petit Moïse voguant au gré de l'eau dans un couffin et sauvé in extremis par la fille de Pharaon, tout simplement parce qu'elle a trouvé ce petit adorable et d'une très grande beauté. Et oui, il n'y a rien à faire, mes frères. La beauté présente des avantages considérables et durables. Comme le disait Auguste Renoir, la douleur passe, la beauté reste. Et la beauté de Moïse lui a sauvé la vie. Il va grandir à l'ombre du palais du roi jusqu'au jour où Dieu, notre Père, lui demandera expressément de se mettre à la tête de son peuple pour le libérer du joug égyptien qui n'était plus supportable. L'histoire, vous la connaissez par cœur, mais je vous la rappelle rapidement. Dieu invite Moïse à se rendre chez Pharaon pour lui demander de laisser partir le peuple hébreu afin qu'il offre dans le désert un sacrifice. Là, nous voyons, mes frères, que Dieu voulait que son peuple lui rendît un culte public. C'est l'occasion pour moi de rappeler ici que dans la vie d'union à Dieu, il n'y a pas que la prière privée. Il faut aussi manifester socialement l'attachement que nous lui portons. Et c'est pourquoi, pour ne prendre que deux exemples, il y a des clochers avec des cloches qui sonnent à la volée. Et il y a des liturgies publiques, comme celle que nous vivons en ce moment, qui exercent une véritable influence sur ceux qui croient et sur ceux qui ne croient pas, car ces derniers finissent par se poser des questions en voyant d'autres hommes se tourner vers Dieu. Prier dans sa chambre, dans sa cuisine ou dans sa salle de bain, c'est très bien, le Christ le veut, il le dit d'ailleurs lui-même dans le Saint-Évangile, « Ferme ta porte et prie dans le secret », mais il y a aussi, depuis le commencement de l'Église, le culte de Dieu qu'il faut honorer publiquement. Pour en revenir à Pharaon, l'histoire est connue, mais on a le temps ce matin, mes frères, on est tous ensemble. Eh bien, il va empêcher Moïse et le peuple de partir de son pays. Et à la suite de ce blocage, ce sont les fameuses plaies qui vont tomber sur l'Égypte. Les grenouilles, les moustiques, les mouches, les sauterelles ou les sales bêtes qui ravagent tout. Puis la grêle qui ne laisse aucune plante debout. Mais il n'y a rien à faire, Pharaon ne lâche rien. Pour le faire craquer,
Mais attention, Dieu est toujours bienveillant. Pharaon sera prévenu par Moïse d'un ultime châtiment qui est encore évitable. « Si tu ne nous laisses pas partir, lui dit Moïse, un malheur terrible va s'abattre sur ton pays. Tous les premiers-nés de l'Égypte, tous les enfants qui viennent de naître, seront exterminés en une seule nuit par l'action d'un ange. Réfléchis, Pharaon, réfléchis et laisse-nous partir. » Mais là encore, le pouvoir ne veut pas céder. Pharaon préfère voir mourir les forces vives de son peuple plutôt que de perdre des milliers d'ouvriers et d'esclaves. C'est le primat de l'économie sur la personne. Vous voyez, mes frères, nous n'avons rien inventé. Mais revenons à l'histoire. Dieu va alors prévenir le peuple hébreu que sa libération approche et que durant la nuit où le sang va couler sur tout le pays d'Égypte, il faut absolument que toutes les familles juives prennent un petit agneau, qu'elles l'offrent à Dieu en sacrifice et qu'elles badigeonnent les deux montants des portes de leur maison avec le sang de ce petit animal innocent. Deux montants, mes frères bien-aimés, recouverts de sang. Vous avez bien entendu, ces deux montants indiquent déjà symboliquement au loin le mystère de la croix. Quand l'ange exterminateur passera et qu'il verra le sang sur les portes, promis, dit Dieu, il ne frappera pas ces maisons-là. C'est alors que le peuple juif devra se mettre en route en direction de la terre promise avec Moïse à sa tête. La suite, mes frères, vous la connaissez. Charlton Heston levant son bâton devant les caméras de la Metro-Goldwyn-Mayer et faisant refluer la mer rouge sur les Égyptiens. Gloire à Dieu et gloire au cinéma. La conséquence de cette sortie héroïque, eh bien mes frères, la voici. Chaque année, tous les juifs du monde devaient et doivent encore commémorer cette sortie du pays d'Égypte. Autrement dit, cette Pâque, mot qui signifie « passage » et qui renvoie au passage du peuple juif de l'esclavage à la liberté. Après sa libération et son installation sur la terre promise, les choses allaient désormais bien mieux. Ce peuple vivait profondément de l'amour du Dieu unique, goûtait sa protection, sentait dans ses entrailles la nécessité de l'aimer, de le servir. Cependant, le monde entier, lui de son côté, continuait sa route à l'ombre du péché, car depuis les origines, depuis le péché d'Adam, depuis le grand clash qu'il y eut entre Dieu et l'homme, la nature humaine se retrouvait corrompue à jamais. Il fallait donc impérativement que soit opérée une libération pour toutes les âmes du monde entier qui passaient leur temps à prendre pour Dieu de pauvres idoles, or, argent et autres quincailleries. Si bien que Dieu notre Père décida d'envoyer son Fils sur la terre en nouveau Moïse, lui faisant prendre chair dans la chair de la plus belle des femmes qui soit. Après avoir vécu à Nazareth comme un simple ouvrier et révélé ainsi la grandeur de la vie ordinaire, je ne vous apprends rien, Jésus se met à prêcher l'intégralité de la sagesse divine avec la fougue qu'on lui connaît, avant de se laisser clouer sur deux montants de bois. Ça vous rappelle quelque chose, sur lesquels il va verser son sang comme un agneau, de manière à opérer la réconciliation de l'univers avec Dieu son Père, autrement dit, le passage pour toute l'humanité de l'esclavage à la liberté. Le Christ, bien qu'il soit un nouveau Moïse, n'a pas agi tout à fait comme lui. Il n'a pas pris un petit agneau pour l'offrir en sacrifice. Il s'est pris lui-même et il s'est offert en sacrifice. Souvenez-vous, la veille de sa mort, dans la vieille ville de Jérusalem, alors qu'il célèbre dans le Cénacle l'anniversaire de la Pâque juive, donc de ce fameux passage qui fait de l'homme esclave un homme libre. Soudainement, il prend du pain, il le bénit, il prononce une formule désormais célèbre et inoubliable. « Ceci est mon corps ». Et par là, mes frères, Jésus va transformer, non pas symboliquement, mais réellement, ce pain en son corps. Ceci est mon corps. Jésus n'a pas dit « ceci est l'image de mon corps, ceci est le symbole de mon corps ». Il a dit « ceci est mon corps ». De même, sur la coupe remplie de vin, Jésus prononce une bénédiction et en la fixant du regard, il dit « ceci est mon sang ». Mes frères, je l'affirme aujourd'hui en cette belle fête, avec toute l'Église,
croyez le prêtre qui vous parle. C'est une transformation radicale qui advient pour ces éléments que sont le pain et le vin. Ils deviennent vraiment tous deux, réellement, le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Puis après avoir réalisé ce changement, le Christ va demander aux apôtres de refaire ce geste jusqu'à la fin du monde, non pas pour se souvenir de son sacrifice, mais pour qu'il se renouvelle sans cesse, qu'il soit actualisé. Et c'est ce qui se passe en chacune de nos messes. Vous savez, mes frères, que chaque seconde de notre temps humain, une messe est célébrée dans le monde. Jésus s'offre continuellement en sacrifice. En effet, le prêtre, qui est un descendant des apôtres, prend à l'autel la place du Christ et il prononce à son tour la formule que nous appelons désormais consécratoire et qui permet à notre Seigneur Jésus-Christ d'être présent, non pas dans le pain et dans le vin, mais de se substituer au pain et au vin. Ce n'est donc plus du pain, ce n'est donc plus du vin, c'est le Christ dans son corps et dans son sang qui est là sur l'autel. Alors vous comprenez, mes frères, que si le Christ est ainsi présent au milieu des hommes, en chaque église du monde, et qu'il accompagne ainsi l'histoire de l'humanité de sa présence corporelle, c'est de la folie de simplement lui parler, de regarder vers le ciel, d'espérer son aide extérieure. Mais bon sang, qu'on se le dise, la présence eucharistique est la plus haute présence de Dieu ici-bas sur la terre. Et le plus extraordinaire dans cette affaire, c'est que non seulement le Christ se rend ainsi présent, et tout à l'heure il sera là, mais en plus il entend venir en nous. On croit rêver, il veut que nous l'assimilions comme on assimile un aliment. On ne peut pas aller plus loin dans l'union entre deux êtres. Souvent, vous savez, les amoureux se disent en se regardant dans le blanc des yeux, et je vous en supplie de continuer, « Ah, si je pouvais, je te mangerais. » Mais évidemment, personne, malgré la folie du désir, ne le peut. Sauf le Christ, qui en se faisant aliment, parvient à entrer en nous pour que nous passions en lui. Aussi tout à l'heure, mes frères, quand vous allez vous approcher pour recevoir le corps ô combien précieux du Christ, et vous, mes enfants, qui allez communier pour la première fois, redites-vous que Dieu lui-même, car le Christ est Dieu, entre dans votre humanité et que la seule pensée de cette union devrait tous nous bouleverser. D'autant plus que l'Eucharistie est le fruit de la mort du Christ. Pour que son corps nous soit donné, il a fallu qu'il meure. Rends-nous donc compte de l'étendue de ce don, de la grandeur de ce sacrement, et arrêtons de dire « je n'ai pas besoin de la messe ». C'est comme si vous disiez « je m'en fiche de la croix du Christ, je m'en fiche de son corps, je m'en fiche de son sang ». Par pitié, mes frères, je vous en prie, qu'il n'en soit pas ainsi. Oui, je vous en supplie, mes frères, réalisons la grandeur du don qui nous est fait dans l'Eucharistie chaque dimanche. Le corps immolé, détruit du Christ, qui au matin de Pâques ressuscita, sera dans quelques instants sur cet autel. Et le sang qui coula sur la croix de son corps martyrisé, tout à l'heure sera dans mon calice. Et cette double nourriture, corps et sang, qui est toute la vie de Dieu, va venir en nous pour irriguer notre propre vie et nous rendre heureux. Aussi, j'espère qu'aujourd'hui, mes frères bien-aimés, nous allons communier comme jamais, avec une intensité très grande, au corps sacré de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous savez que les poètes ont souvent comparé le Christ au pélican, qui, paraît-il, lorsqu'il ne dispose de plus rien pour nourrir ses petits, se perfore de son long bec sa propre poitrine pour prendre de sa chair et la leur donner. Ah, que les poètes ont toujours raison, car c'est exactement ce que le Christ a fait et fait encore. Il prend sa chair et il nous la donne. Alors, comment pouvons-nous manquer une seule messe ?